Salut les copains, on se retrouve pour voir ce que j'ai fait cette semaine. Alors bon ben j'ai pas beaucoup joué cette semaine, pas énormément. Du coup pas grand chose. Alors si ce n'est qu'ici, ben vous voyez j'ai enlevé les torches. J'ai commencé à faire des lampadaires. Alors je m'étais lancé dans le fait de dire chaque fois où je pioche un peu les idées, etc. Mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font la même chose, du coup, comment savoir à qui appartient l'idée. Donc du coup, pour les petits détails dont je me sers uniquement d'inspiration, je vais pas m'amuser chaque fois à citer parce que je vais finir par faire des erreurs ou en oublier. Donc quand vraiment ça sera une copie, je l'annoncerai, mais sinon, voilà, je vais arrêter de faire ça parce que je vais m'embrouiller. Donc voilà, suite à une inspiration d'un youtubeur, maintenant je ne sais plus lequel, j'ai fait ces lampadaires. Voilà, et ici on a fait une petite usine à cactus. Je savais pas trop où les mettre et puis je savais pas trop comment remplir cet espace-là. Je me suis dit qu'il serait bien là. Donc bon, j'ai pas fait un gros truc, hein. Il y a 4 cactus, ça me suffira bien. C'est juste pour avoir un petit peu de colorant vert pour faire des carpettes comme ça, sinon j'en ai pas grand gros besoin quoi. Donc je pense qu'avec mes 4 cactus là, ça ira très bien comme ça. On a le petit coin pour les cuire directement sur place, bien sûr. Et sinon, bah, dans le secteur, il n'y a rien de particulier qui a bougé. Par contre, j'ai commencé à regarder pour avoir l'accès de l'autre côté et puis du coup ben j'ai fait le pont, la passerelle là, la fameuse passerelle. Et alors il va falloir que j'aménage les deux accès parce que j'ai pas fait le chemin, mais on a accès et par ici et par l'escalier comme pour aller au spawner araignée qu'on a vu la dernière fois. Donc quand on longe là-bas derrière, vous voyez. Alors ce coup-ci, ben, pour changer un coup, on va passer par là. Bon, c'est pas encore aménagé, il faudrait que je fasse une ouverture ici quelque part dedans pour pouvoir ressortir justement voilà là où nous mène l'escalier qui vient de par l'autre côté quoi. Et ici c'est l'accès au spawner. Donc je voudrais rejoindre ça là-dedans aussi et comme ça voilà. Enfin, ça sortirait plutôt par ici, voilà. Et comme ça ici on arrive directement au pont. Enfin, la passerelle, le pont, je sais pas trop comment appeler ça. Donc j'ai pas voulu faire un truc tout en solide, hein. J'ai voulu donner un peu l'effet de passerelle avec cordage justement. Bon, c'est pas super évident parce que là il s'agit pas de faire un pont voûté ou quoi, c'est juste descendre de la colline à traverser la rivière. Donc c'est sur une seule pente. Alors j'espère que j'ai donné un peu d'effet. Alors j'ai des endroits où c'est relevé comme ça parce que voilà, c'est jamais parfaitement droit quand c'est des passerelles en bois quoi. Alors je sais pas si ça le fait, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais me reculer un peu pour vous donner un aperçu de loin. On va essayer de grimper sur la petite colline là. Je pense qu'on devrait avoir une vue pas trop mal. Voilà ce que ça donne. D'ici de loin, je trouve que ça rend pas trop mal. On voit un peu l'effet cordage, l'effet passerelle. Si vous voyez des choses qui vont pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors j'ai voulu mettre un peu de pierre en bas. Pour donner un peu de solidité à toutes ces poutres de maintien là. Parce que c'est quand même un petit peu balèze hein, le truc. Après je suis pas architecte hein, encore moins je connais encore moins dans les ponts alors j'espère que le rendu est pas trop mal. Voilà. Alors ça m'a malgré que j'ai pas joué beaucoup ça m'a pris quand même pas mal de temps et c'était quand même assez pénible de faire le cordage. Ça c'était un vrai casse-tête pour moi. C'est la première fois que je me lance là-dedans et sans modèle, sans rien. Donc c'était un peu casse-tête.
Donc j'espère que le résultat est là. Enfin, en tout cas, moi ça me plaît. Donc ça c'est déjà pas mal. Maintenant, comme je suis pas expert, peut-être que vous aurez des idées à me donner pour améliorer ou modifier. Je verrai ce que vous me dites. Pour l'instant, c'est pas mal. Le seul truc qui manque, c'est un peu d'éclairage. Alors je sais encore pas comment je vais l'ajouter. J'ai essayé de les placer à la place des dalles sur les poutres, ça m'a pas plu avec les lanternes. J'aimerais trouver une autre solution. Et puis s'il n'y a pas d'éclairage dessus, de toute façon c'est pas grave. C'est souvent hein, que les passerelles ne sont pas éclairées. Puis toute la colline n'est de toute façon pas éclairée encore. Et s'il y a ou des meubles là-dessus, ben, c'est pas grave, on le butera et puis c'est tout. Hein. Par contre, je perds beaucoup de vie là. Enfin, j'ai faim. Plutôt. Voilà, bah c'est tout ce qu'il y avait à voir pour cette semaine. Ah non, un petit détail aussi, j'ai été embêté, ou je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois dans la vidéo du spawner à araignées, on avait vu que j'avais capturé des araignées, je les avais renommées et puis je les avais mis dans un terrarium là. Et malgré que je les ai renommées, elles ont disparu. Alors après discussion avec mon ami Sky, on pense que éventuellement elles ont pu se coincer dans les feuillages ou près des barrières ou quoi et mourir d'étouffement, un truc comme ça. Je sais pas trop. Alors du coup, ben, je sais pas, j'avais pas envie de tout modifier là. Je trouvais que c'était un petit peu sympa, ça égayait un peu là. J'avais pas envie de modifier donc. Puisque les araignées ne voulaient pas rester, ben je me suis ramené deux perroquets, et puis j'espère trouver les autres variétés et avoir un perroquet de chaque là-dedans. Donc ici on en a déjà deux, chapi et chapeau. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Allez, bye bye!